Dans l'entrepôt, les bénévoles des Restos du Cœur s'activent pour préparer les paniers. Les produits non périssables, boîtes de conserve, riz, pâtes, les produits frais, légumes, fruits, tout ce qui est laitier, et enfin les produits surgelés. Une fois la cargaison chargée, la camionnette des restos démarre. Nous avons quatre communes à desservir. Puget, Carnoul, Gonfaron et en tout début d'après-midi sur la commune de Colobrière. À Carnoul, parmi les bénéficiaires, Véronique, 60 ans, en invalidité. Wow. Aujourd'hui, elle a même droit à un petit cadeau. Super, du chocolat. Je suis très contente qu'il y ait les Restos du Cœur qui viennent sur Carnoul, vu que je suis en difficulté. Et donc, tous les 15 jours, ça me dépend de beaucoup. Deux steaks. Ici, on va vers les gens. Et je pense que pour eux, ils sont très sensibles. Ils sont très sensibles à ce contact. Et puis, comme on est chez eux, ils sont aussi contents de parler de leur vie, de leurs histoires, de leurs galères. Parce que ça fait partie effectivement de leur vie. Et donc c'est aussi un enrichissement pour nous. Je dirais, on donne, mais probablement qu'on reçoit autant qu'on ne donne. Et chaque tournée réserve aussi des surprises, comme cette dame qui se présente spontanément, sans pour autant faire partie des bénéficiaires. La CAF m'a donné que la moitié de mes revenus qu'ils me doivent, puisqu'ils n'ont pas enregistré mes revenus en temps et en heure. Et donc là, il me manque 600 euros. Et voilà, donc c'est ponctuel que je vienne. Vous êtes seule ? Non, j'ai trois enfants. Donc c'est surtout pour les enfants. Là, typiquement, j'ai évalué que la dame était vraiment dans le besoin. Donc là, je prends la décision, oui, de lui donner quelque chose. Même s'il rend les vérifications ultérieures pour vous, c'est ça ? C'est pas grave, on l'aura dépanné. Métropole, ville moyenne et village, la misère n'a pas de frontières. Colobrière, moins de 2000 habitants et 12 familles dans le besoin. Mais dans le village, la pudeur est sûrement plus forte qu'ailleurs. Il y a des gens qui ne se font pas connaître non plus, et qui le sont, certainement, mais qui ne viennent pas, et qui ne veulent pas venir certainement par amour propre. Ce jour-là, les restos auront aidé 58 familles, 129 personnes, et vu les besoins croissants, les distributions de ce type pourraient se multiplier.